Salut à tous, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation encore des nouveaux véhicules hein. Et on va présenter tout simplement la ZR 350. Donc il y a un tout nouveau véhicule, encore une fois inspiré de Fast and Furious. Bon, j'ai l'impression que tous les véhicules en fait sont quasiment tous des véhicules de Fast and Furious. Comment vas-tu la salle? Hello, how are you? I'm fine and you? I'm fine too. Eh ben écoute, je vais très très bien, donc c'est parti, let's go. Hop, voilà, laisse mettre un petit like au passage. Et on est parti, donc du coup c'est la c'est celui-là, donc ZR 350. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos de la salle où il a présenté bah, les autres que je ne vous ai pas présenté sur la chaîne, c'est sur la chaîne de la salle. Et elle coûte 1 615 000, mais sinon vous pouvez l'avoir à 1 million 2 si vous faites l'émission du DLC. En tout cas, nous, on l'a acheté 1 615 000. Et on est parti pour la customiser. J'ai hâte de voir ce qu'on peut faire dessus. Alors, je sais que celle de Fast and Furious, elle est rouge, la salle. Je vais directement aller voir dans les motifs. Attendez, je vais mettre le blindage, frein. Alors, ouais, je vais aller voir dans les motifs. Et à mon avis, le motif, tu vois, genre, de Fast and Furious, il doit être payant. Ah bah, c'est lui. C'est abusé comment c'est le truc de... Je vous affiche la photo sur Fast and Furious, c'est... La salle, c'est choquant. Regarde le motif numéro 14. T'es dessus ou pas? Ouais. Ok, bah attends, je vais t'envoyer la photo sur Skype pour que tu vois de ton côté. Regarde. Hop, voilà. Bon, en tout cas, on est parti pour la custom. Alors, blindage, c'est bon. Frein, c'est bon. Pare-choc. Alors, pare-choc, donc pare-choc, pare-choc, la salle, pare-choc. On va partir sur un pare-choc un peu comme ça, ouais. Comme ça, ouais, lui il est bien. Non, lui il est dégueulasse. Pare-choc arrière. Gros bord couleur 1. Ouais, allez, pourquoi pas. Alors, moteur. Moteur couleur 2. Ouais, pourquoi pas. Filtre à air. Couleur 2. Alors, au niveau des bandes, on a pas mal de trucs. Bon, généralement, le meilleur, moi, celui-là j'aime bien, tu vois. Moteur niveau 4. Alors, ça. Je pense qu'on va rester sur. Attendez, parce que je suis en train de regarder en même temps. Ouais, on peut mettre celui-là, tu vois, à la limite. Échappement. Alors, échappement, c'est double. Pas double comme ça, mais double comme ça. Voilà, c'est E. Échappement de rue. Voilà, moi, je le custom comme dans Fast and Furious, les gars. Pas Couleur mal. 1. Lui, ça, c'est quoi ça? L arrière. Couleur 1, vissé, est-ce qu'il est vissé? Non, il n'est pas vissé. Donc on peut mettre le normal. Ok, alors phare. Ah, t'as yeux fatigués ou yeux de série. Moi je vais mettre somnolence, allez. Capot. D'ailleurs, je n'ai pas compris, c'est quoi les attaches capot là, ils le mettent à chaque fois. Ouais, à l'avant, bah ouais, c'est vraiment Wow, t'as vu petit. capot transparent? Non. Yo, c'est stylé les gars, capot transparent. C'est la première fois qu'on voit ça sur GTA. C'est pas capot Non. vert, c'est capot transparent. Alors, par contre, au niveau du pare-choc. On se donne rendez-vous où? Où tu veux. Il a double sortie là. Le plus ressemblant, je pense que c'est. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Celui-là, il est bien. Klaxon, on s'en fout. Habitacle. Alors, hop, voilà. Carbone. Parce que carbone, c'est magnifique. Ça, on met. Portière en carbone. Siège, on met. Volant, le dernier. Rembourré. Ouais, rembourré. Éclairage. Hop. Kit néon, super néon. Et le couleur, bah, c'est rouge. Parce que sur Fast and Furious, il est rouge. Et du coup, le motif. Bah là, encore une fois, on est bloqué. Donc, le motif, on le mettra après. Pour l'instant, on va mettre normal quoi, genre. Alors par contre, attends, parisienne, je peux peut-être pas de parisienne, ouais. Il n'y a pas de parisienne dans le Fast and Furious. Alors par contre, ça, ils sont, non, ils sont ici, ouais, ils sont ici. Et c'est de tuning, on va mettre plaque, on va mettre en blanc, enfin non, noir, quoique, ouais, noir, ils sont noirs. Peinture, couleur principale. Alors, on va partir sur un rouge. C'est un rouge un peu comme ça. Mais je sais pas si je vais mettre plus du classique.
Ouais, c'est plus un classique. Attendez, ce que je regarde en même temps. C'est un rouge un peu lave. Ouais. Rouge lave. Ouais, rouge lave, c'est bien. Couleur secondaire, bah pareil. Métallisé rouge lave, du coup. Et couleur finition, l'intérieur, on va mettre en blanc. Ouais, blanc. Allez, blanc. Même si c'est noir, on va mettre un peu de blanc. Non, quoique. Noir, c'est bien la salle. T'as fini? Bah oui. Emblème de crew, on s'en fout. Toi. Alors. Toi. Parce que je regarde en même temps la Sato, il n'y a pas de toi du coup. Bad caisse. Alors, bad caisse, on peut mettre lui, ventilé, mais. Couleur 1. Alors, attendez, je regarde si on a. Compétition. Compétition. Non, bah non, en fait, on a étendu. On va mettre étendu. Séparateur. Est-ce qu'il y a des séparateurs? Non, il n'y en a pas. On peut mettre à la limite. À le mettre lui. Ouais, lui, pas les moustaches par contre. Non, il n'y a pas de moustache. Aileron. Alors, aileron, c'est un gros. C'est pas celui-là, c'est celui-là, ouais. C'est exactement celui-là, mais plus en. Ouais, c'est en carbone, je pense. Ouais, c'est en carbone. Ah, bah, c'est lui, voilà. Lui, exactement lui. Exactement lui, en carbone. De toute façon, vous avez vu le véhicule au début. Hein. Ça, il n'y a pas du coup. Suspension de compétition. J'ai bientôt fini la salle. Hein. Allez, phare comme ça, c'est Tranquille, stylé. tranquille. C'est pas mal. Hein. On va mettre de série plus. Transmission de course. Turbo, on met à fond. Roue, type de roue. On va laisser celle-ci, je pense. Ouais, de série. Parce que généralement, celle de série, bah, c'est les véhicules qu'on a l'habitude de voir. Fumée de pneu, on va mettre rouge. Ensuite, vitre. On met ça. Eh ben écoute, j'ai fini. Je vais juste regarder les motifs. Alors, de base, les gars, pour vraiment avoir. Pour avoir, hein, je le tiens à le dire, pour avoir le véhicule de Fast and Furious, il faut mettre ce motif. Voilà. Donc là, vous avez vraiment, vraiment le véhicule de Fast and Furious. Quand je te dis vraiment, vous l'avez vraiment. C'est exactement lui. Genre là, tu vois, c'est lui. Hop. Voilà. Là, c'est lui. Maintenant, on l'a pas. Parce qu'il faut avoir le niveau de réputation, niveau 129. Donc, faut jouer, entre guillemets. Donc, ce qu'on peut mettre en attendant. Je vais mettre la meuf. Ouais. Voilà. Ok. Et eh ben, j'ai fini. J'ai fini ma customisation. En tout cas, franchement, Rockstar s'inspire de Fast and Furious. Ça fait plaisir. Tu vois. C'est clairement un DLC qui est inspiré de Fast and Furious. Faut le dire quand même, la salle. Bah oui. Alors, t'es au niveau de. Ouais, t'es au niveau d'ici. Je vais passer par là. Ouais, en gros, le DLC, c'est clairement Fast and Furious. Alors, par contre, à vous de voter dans les commentaires qui a le plus beau entre la salle et moi. Même si je pense que moi, tu vois. Ah bah, j'ai fait un accident. Mais t'inquiète, hein, y a rien, mon mec. Ouais, même si je pense que la salle, quand même, le met, il est plus beau. Il est meilleur. T'es où là? Bah comme d'hab. Ah, je te vois. Ah bah, t'as pris le même truc que moi. Scramjet oblige. Alors, monte voir ça. Ah. Quoi, allez, le mec il commence avec ses A. Il est dégueulasse, mais clairement le mien il est largement plus beau. J'ai C'est les essayé, mêmes, mais c'est les mêmes. C'est quasiment les mêmes sauf qu'il y a la couleur qui change quoi. j'essaie de faire un truc beau et soft. Après, à vous de voter dans les commentaires. Moi personnellement, je pense que le mien est plus beau. Donc c'est à vous de voter. Donc votez 1 pour la salle, 2 pour moi. T'aimes bien la taille de mon aileron? Il est épave avec les fils. Regarde derrière. Non mais il est éclaté au sol avec les fils dégueulasses. Il Pourquoi? est plus grand que la Non mais voiture. pourquoi déjà t'as mis du chromé encore? Non, pas du. Alors là, tu vois, tu te trompes. Bah c'est quoi la couleur que t'as mis dessus? Est-ce que ça a l'air de briller? Non. T'as mis une couleur chelou hein, parce qu'on voit pas les motifs. J'ai mis de l'aluminium brossé. Dégueulasse. Par contre regarde, t'as vu? On dirait pas le gars dans Dragon Ball Z lui? Le grand-père là? Comment il s'appelle déjà? Qui ça, Tortue Géniale? Ouais. Non, il ressemble pas à ça. Je sais pas, ça me fait penser à lui. Bon voilà.
Voilà les deux customisations, à vous de voter. N'hésitez pas à me dire qui a le plus beau. Oula. En tout cas, personnellement, moi, j'opte pour le mien. Après, c'est à vous de voter encore une fois. Attends, sauf... j'allume les feux, eh oh. Attends, vas-y, vas-y, montre-nous les feux. Parce que toi, t'as tes feux ouverts là. Voilà, olé! Dégueulasse. Ça change rien la beauté du véhicule. Le mien est meilleur. En tout cas, à vous de voter dans les commentaires. 1 pour la salle, 2 pour Onwin. Sur ce, on s'est ça tue. Ciao, ciao.